Salut tout le monde, c'est Ratus. J'espère que vous allez bien. Je me trouve aujourd'hui devant l'Infrabasse, qui est le local de Freeform à Toulouse. Et je vais vous emmener faire un tour avec moi afin de vous présenter cette ONG, son équipe et sa mission. C'est parti! Je me trouve actuellement dans l'entrée du local de l'Infrabasse. Je me trouve avec Samuel. Samuel qui est le coordinateur de Freeform. Samuel, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de Freeform et de l'Infrabasse, s'il te plaît? Alors, Freeform, c'est une asso qui a été créée en 2014 par des activistes de la Free Party qui avaient envie de bouger des choses, d'essayer de trouver des solutions pour faire une place pour la Free Party, à la fois en tant que pratique, amateur, généreuse, avec des valeurs très fortes, mais en même temps en faisant partie des activités, des paysages culturels français qui doivent y trouver sa place, quoi. Donc dans l'équipe de Freeform, il y a 4 personnes, 6 volontaires en service civique qui sont vraiment là pour nous aider, et c'est super chouette. L'asso, elle est subventionnée depuis 2014, à la fois par la JEPVA, c'est Éducation Populaire Vie Associative, au ministère de l'Éducation, pour le côté justement vie associative et soutien au son, ministère de la Culture, et la 1000 DK qui est pour le côté santé auprès des publics et la réduction des risques. On travaille tout au long de l'année, partout en France, pour faire de la médiation, du conseil auprès des sons, etc. Et on a ouvert donc en début 2017 ce lieu qui s'appelle l'Infrabasse. Donc l'Infrabasse, c'est à la fois les bureaux de l'asso, mais c'est aussi un lieu ouvert au public. On a des studios, il y a 3 pôles qui bossent chez Freeform et à l'Infrabasse. Il y a un pôle réduction des risques, un pôle son et un pôle médiation. Et je propose que tu fasses le tour et que tu rencontres chacun pour qu'ils t'expliquent leur boulot. Je vous emmène maintenant avec moi au pôle médiation, à la rencontre de l'équipe, mais plus particulièrement de Mathieu. Allez, on y va. Salut tout le monde. Nous sommes maintenant avec Mathieu. Mathieu, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton travail, ta mission auprès de Freeform? Je travaille sur 2 missions, les relations avec les sons de système, être à leur écoute, voir s'ils ont besoin d'un coup de main, et aussi essayer de développer les actions de réduction des risques, en faisant du lien entre les sons et les assos d'RDR. En ce moment, on travaille sur le projet des régions pilotes, où on accompagne les sons pour la mise en place des multisons en Bretagne, en région centre, dans les Pays de la Loire, et peut-être prochainement en Occitanie. Très bien, du coup, en quoi ça consiste ce travail sur les régions pilotes? On bosse avec les sons pour essayer de préparer des multisons, trouver des terrains, prévoir les secours, la RDR, les bennes, le côté sanitaire, organiser les réunions avec les préfectures, et tout préparer pour que ça se passe bien. Très bien Mathieu, merci beaucoup. Bon, maintenant je vais vous emmener au pôle son, à la rencontre d'Hervé, c'est parti. Hervé, bonjour. Salut. Alors Hervé, parle-nous un petit peu de ta mission à Freeform auprès du pôle son. Alors, du coup, moi, on est 3 à gérer le pôle son. Il y a Gwendal, Louis et moi. Et on gère tout ce qui a trait au côté artistique de la Free Party. Donc, toute la semaine, on accueille des artistes pour faire des retransmissions depuis notre studio en direct. Ensuite, on peut retrouver tous ces mix et ces lives sur notre site internet. Et on essaye par là de témoigner de la créativité artistique du milieu Free Party. Et on a aussi le jeudi soir des nocturnes, donc toujours sur le même principe, de 18h à 22h. Justement, on a vu passer récemment le vinyle L'Infrabasse 00. Ça doit être lié. Est-ce que tu peux nous parler du projet Chrysaldisc? Alors, le projet Chrysaldisc consiste à prendre 2 artistes qui n'ont jamais rien sorti sur disque vinyle. On les fait travailler ensemble. On les forme au monde discographique et au monde de l'autoproduction. Et à la suite de cette formation, de ces 4 demi-journées de formation, on presse un vinyle avec donc une collaboration qu'ils auront fait ensemble et des morceaux individuels. Et donc on sort leur premier disque, et là le premier arrive tout prochainement, et il y en a déjà 2 autres qui sont en cours de réalisation. Alors on a aussi le projet Capture qui va se mettre en place, mais ça je vais vous laisser avec Louis qui est au studio mix et qui va vous en parler. Eh bien c'est parti, on y va. Bon, on est actuellement dans Studio Mix en compagnie de Louis. Louis, bonjour. Salut. Donc tu t'occupes des projets Capture, est-ce que tu peux nous en parler? Projet Capture, c'est le nouveau projet qu'on va mettre en place en septembre. Du coup, on va se déplacer sur les Free Parties pour enregistrer les mix, les lives. Témoigner de la créativité artistique, en fait, des mix, des lives, de tout ce qui s'y fait, quoi. Et puis aussi pour un peu témoigner de l'état d'esprit des teufs, quoi. Bien, pour terminer cette vidéo, je vais vous emmener avec moi au pôle RDR. C'est parti.
Bon là actuellement je me trouve avec Céline. Céline, bonjour. Bonjour. Et est-ce que tu peux nous parler de ta mission auprès de Freeform à toi aussi? Écoute, je suis rentrée dans l'association il y a quelques semaines. On m'a demandé de venir filer un petit coup de main côté gestion de l'association parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et je dois aussi m'occuper du côté administratif, des dossiers, voilà, toute la gestion d'une association en fait. Du coup, on m'a confié aussi une mission au fur et à mesure des semaines où j'étais là, où je travaille avec Cédric Titem, Laura et Delphine sur des dossiers de RDR. Et le plus gros de notre mission actuelle avec qui on va travailler avec toi, c'est les vidéos Party Art, où on abordera des sujets de RDR, mais aussi d'organisation de soirées et plein d'autres sujets. Et c'est pour ça aussi que je travaille aussi avec le pôle musique et le pôle médiation avec Mamat et Samuel. Justement, pour parler des vidéos Party Art, je vous emmène tout de suite avec Cédric qui va nous parler de ce projet. Eh bien Cédric, bonjour. Est-ce que tu peux nous parler du projet Party Hard? Alors Party Hard, c'est une série de vidéos qu'on va commencer à tourner et diffuser en septembre. On va y aborder des sujets comme le son, le conseil juridique, de la RDR, d'autres choses, sous forme d'interview, en intérieur ou en extérieur. Eh bien Cédric, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve dehors dans quelques instants pour la conclusion de cette vidéo. Bien, merci à toute l'équipe de Freeform d'avoir répondu à toutes ces questions. Et merci aussi à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. On vous donne rendez-vous à la rentrée pour les vidéos Party Hard. En attendant, vous pouvez toujours retrouver Freeform et l'Infrabase sur leurs réseaux, YouTube, Facebook, mais aussi leur site officiel freeform.fr. Allez, quant à moi, je vous laisse. C'était Ratus et Freeform. Ciao. Freeform.